Bonjour à tous, c'est Chapeau de Roue. J'espère que je vous ai pas trop manqué, mais en ce moment c'était un peu la galère. J'étais en procédure de divorce, etc. Mais ça va mieux. Et aujourd'hui, je vous présente le retour de Chapeau de Roue! Ouais! Allez, on va y aller avant que. Oh non. Oh. Oh non, putain, pas toi, mais qu'est-ce que tu fous là encore? Bah, j'annonçais ton retour. Comment ça, t'annonces mon retour? Je peux le faire moi-même. Ah. Ah oui, je pouvais le faire moi-même. Ah. Je salue l'effort, mais. Non, Ah, mais. mais je voulais être gentil, moi, de. Oh, oui. Ah oui, non, ne sois pas gentil en Oui, fait. je vois. Ouais. Mais en attendant, je suis peut-être un peu plus productif que toi. Ça, c'est dégueulasse, ça. Hein. C'est jouer avec les sentiments. Eh ouais. Eh ouais, bah, je. Hein? Je m'en vais. Tu me laisses travailler du coup? Oui, bah, j'y vais. Hein. Ouais, super. On n'en a pas fini, hein. Merci. Putain. Voilà, merci. Vous voyez, on aide les gens, mais ils sont jamais reconnaissants. Comme ma femme. Allez, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Chapeau de Roue? Eh ben, en fait, il y a eu une purge et toutes les vidéos, elles sont parties. Elles étaient disparues. Mais heureusement, il y a eu un miracle. C'est long, putain. Et c'est CapCut! Wouh! Voilà! En fait, Chapeau de Roue, il avait perdu tous ses projets sur Filmora et maintenant il doit tout recommencer sur CapCut. Voilà. Voilà. Ça va être très bien. Mais du coup, c'est quoi qu'on va voir cette année, hein? Et déjà, il va voir Le Chapeau de Roue, qui est pas sorti cet hiver. Et il va faire Le Chapeau de Roue printemps et Le Chapeau de Roue d'hiver. Et il y aura aussi l'iceberg sur Jurassic Park! Ouais, c'est très cool. Il y aura plein de petites surprises aussi, tout ça, et c'est très cool. Eh bah, c'est déjà fini, hein. Eh bah, faut. Hein? C'est déjà cool, non? Je crois. Voilà! Merci beaucoup, et abonnez-vous! Ça y est, t'as fini? Oui, je crois que c'est bon. Est-ce que je peux prendre le micro maintenant? Oui, tiens, vas-y. Merci beaucoup. Ouais. Allez, bah la sortie c'est là-bas. Je sais. Bon courage, j'imagine. Merci. Oui. Et évite de rentrer par effraction chez moi la prochaine fois. Ok. Ce serait sympa, oui. Allez, bisous, hein. À la Salut. prochaine. Salut. Ciao. Bon. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir parler un peu plus sérieusement. Salut les gens, c'est Chapeau de Roue, et oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et si je publie ça aujourd'hui, c'est justement pour faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé, eh bien, depuis bientôt 4 mois sans vidéo sur la chaîne YouTube. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je me sens plus vraiment à l'aise avec les anciennes vidéos de la chaîne YouTube. Alors rassurez-vous, ça veut pas dire que je vais aller les supprimer, hein. Je sais que beaucoup d'abonnés sont très proches de ces vidéos, donc ne vous en faites pas, elles vont rester sur la chaîne. Si je vous dis ça, c'est justement parce que je ne me repère plus sur la chaîne YouTube. Je suis un peu perdu, je ne sais pas trop quoi monter ou enregistrer. Est-ce que je dois me focaliser sur le gaming, les animations, le dessin? Il y a aussi le projet du trèfle, comme vous le savez, qui m'a pris beaucoup de temps et je ne sais toujours pas quand est-ce que je dois le révéler, si je dois le révéler un jour d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, vous le savez. Mais au final, je me sens un peu perdu, je ne sais plus trop quoi faire. Et avec l'épisode de la purge, comme je l'expliquais juste avant, où tous mes projets Filmora ont été perdus. Je ne savais vraiment pas quoi faire et c'est pour ça que je me suis laissé une petite pause, enfin une grosse pause, hein, soyons honnêtes, avant de refaire des vidéos. Mais je me sentais obligé de faire cette petite vidéo explication. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Et je voulais aussi vous rassurer sur le fait que, ok, même si maintenant j'utilise CapCut et il faut que je réapprenne absolument tout, les vidéos vont continuer à sortir,
comme je vous l'ai dit, le chapeau de roue d'hiver et de printemps, qui va combiner les deux saisons, va sortir dans pas si longtemps que ça, début juin. Donc, dans un sens, il y aura un peu plus de dessins analysés, c'est déjà un bon point. Et comme je vous l'ai dit aussi, j'ai beaucoup travaillé sur l'iceberg de Jurassic Park. Il y a de nombreuses entrées qui ont rejoint l'iceberg il y a pas si longtemps. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de revenir sur sa chaîne YouTube avec du nouveau contenu. Eh bien, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, eh bien, comme d'habitude, diffusez le virus de l'abonnement partout autour de vous, bombardez les likes, et je vous souhaite une excellente journée. A plus l'équipe, je vous aime. Alors par contre, les outros, je sais toujours pas les faire, ça n'a pas changé.